Par Giresse, il en a frappé un directement dans la lucarne du but de Libourne lundi soir. Va-t-il refaire la même chose? Il centre la tête de Samy et l'ouverture du score! L'ouverture du score de Joël Samy après 1 minute et 38 secondes de jeu. Sur le budget pour l'an prochain, la première réunion mercredi soir n'a pas débouché pour l'instant sur de grandes avancées. Attention à ce centre maintenant en retrait de la part de Bureau. La reprise et le but de Fouad Kadir! La reprise et le but de Kadir de l'intérieur du pied droit sur un superbe centre d'Antoine Bureau. Kadir Amiens qui, on l'espère, va pouvoir réenclencher la marche avant parce que le dernier quart d'heure a été, on va dire, un petit peu plus relâché de la part des Amiénois. Amiens qui est encore à l'attaque, la remise de Buengo, le décalage de Giresse. Oh la superbe reprise dans le but de Traoré. But magnifique de Traoré, reprise de volée impériale sur une petite passe lobée de Thibaut Giresse. Et bien la deuxième mi-temps démarre comme la première par un but de l'Amiens IC. Un but magnifique de Bakay Traoré. De la première mi-temps où Amiens s'était considérablement relâché, eh bien les Amiénois ont mis à profit la mi-temps. Les Amiénois ont mis à profit la mi-temps pour pouvoir de nouveau accélérer. Passe de Kadir sur Buengo. Buengo dans la surface de réparation. Et but de Buengo. Le voilà, le but de Titi Buengo en force avec ce petit ballon du pied gauche qui roule vers le deuxième poteau et qui rentre. Ça fait 4-0. 52e minute de jeu. Ce match ne pouvait pas avoir lieu sans un but de Titi Buengo. Titi Buengo donc qui marque son 14e but de la saison. Le 4e pour Amiens ce soir. Titi Buengo, l'incontournable Titi Buengo, qui donc permet aux 11 272 spectateurs de faire la fête dans les tribunes. C'est pour Bertin et en direction de... Oh, pénalty, pénalty, pénalty pour Guignon. Alors là, tout le monde reste scotché sur place, on ne comprend pas. Pénalty pour Guignon. Ce spécialiste des pénaltys va-t-il réussir à faire en sorte de... repousser l'occasion pour Guignon de sauver l'honneur. Carbouchi face à Benoît Benvenu. Carbouchi, c'est l'heure. C'est arrêt de Benvenu. La reprise de Carbouchi qui marque quand même. 11 272 spectateurs, c'est parce qu'il y a 11 272 billets vendus, mais ils sont pas tous là ce soir. Ils font quand même là-haut. Attention à ce coup franc, très dangereux. Avec Benvenu en difficulté, la reprise et le but. Oh, le but de Guignon. Pas grave. Bon, en tout cas, attention à ce centre de Guignon maintenant. Le ballon à l'entrée de la surface amiénoise. Une frappe. Oh, elle est pas mal cette frappe. Oh, c'est but de Guignon. Oh non. Sur une bonne note. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit à 2-0? Guignon, on a tellement pris dans la tête qu'ils sont capables de revenir. La preuve, ils attaquent encore.